on continue notre randonnée. Nous sommes sur le parcours des Boucles d'Ambert. On arrive à la chapelle du Montaigu. Et il faut quand même savoir que sur le territoire des Coëvrons, il y a une quarantaine de chemins de randonnée qu'on peut pratiquer à pied, à vélo et même à cheval. Donc là, on est avec Ken, un producteur de yaourt et de fromage de brebis, dans sa charmante bergerie. Et oui, et dans les vallées de la Mayenne, on a beaucoup de producteurs comme Ken, qui nous proposent leurs spécialités locales à déguster, comme les fromages que nous avons sous les yeux.